Map numéro 2, banque de ce BO3 de la finale de Speed Cup numéro 17. On a vu des MVW très énervés sur consulat. Attention à banque, parce que là, on voit l'apparition de Mira. Et c'est elle que nous allons étudier. On va étudier les placements de miroir de Cucus. Allez Mira, montre-moi où tu te places. Ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Encore vu les Mira. Allez, faut les placer là. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, on va switcher sur Kaidos. Ça a spawn ruelle pour Kaidos. Ainsi que le cœur. L'un des spawns les plus dangereux qui soit du jeu. À cause des spawn kills. Sur le toit, qui va droner? Et ça va droner aussi. Sauf pour Eracor. Eracor qui avance un petit peu. Allez, le Mira qui est installé. Et là, on se dit masse. On aurait peut-être dû prendre Twitch. Cucus qui élimine Dreams avec son fusil à pompe, s'il vous plaît. Et Kaidos qui va attaquer par-dessus. Qui va essayer de déloger un petit peu l'adversaire. Avec plus ou moins de succès. Va drop. Oh, alors ça c'est le réflexe dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, ça lui a coûté sa concentration. One Shooter qui a calmé le cœur pour avoir tiré sur son mate. Et c'est Eracor qui va tuer One Shooter pour avoir tué son mate. Kaidos qui sort Cucus. Petit well shoot qui a touché là. Pour Eracor. Gaps à proximité. Wayou éliminé par Eracor. Eracor bien réveillé sur cette map. Avec un bon droning. Eracor, élimination encore sur Uyeken. Attention, Eracor étant. Feu. Il était en feu. Mais Beben vient de le calmer. 1v2. Beben peut encore le faire avec sa M416. Très stable. Très rapide à viser. Et non, malheureusement, Kaidos aura eu le dessus sur cette manche. Premier point en faveur de la démentielle. La démentielle qui a pris 5-1 sur la map précédente. Retour de la démentielle ou simple sursaut. N'oubliez pas de nous dire pour qui vous êtes. J'ai vu pas mal de GoMVW, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supporters de la démentielle, là, dans le canal. Il y a des supporters des démentielles ou pas dans le coin?
Et Raccord qui a un petit problème de chargement. Allez, c'est parti. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. On est pile poil sur la personne que je voulais spec. Somme toute classique que celle du coffre, vestiaire et CCTV, je crois que ça s'appelle. Allez, one chouchou, j'espère cette fois qu'il va tenir plus de 30 secondes. Il y a les raccords à proximité, attention, il est dangereux cet raccord. Bien réveillé là sur cette map. Double PLS, messieurs, dames. Double PLS, attention, Wayou qui arrive. Et raccord qui se rapproche dangereusement de One Shooter pour essayer de lui mettre son doigt dans l'oreille, vraisemblablement. Wayou qui il arrive et qui lui enlève le doigt. Dream s'éliminé par Cucus. Wayou qui relève son mate. Et raccord qui va se faire 1000 morts. Voilà, 1000 morts au couteau de la part de One Shooter. Et en drone, on prend les infos. Niveau roaming, je pense qu'il y a personne. Ils peuvent y aller tranquillou. Attention à Gabs sous l'escalier qui fait des allers-retours. Et Wayou qui prend la bonne décision là, à back. One shooter éliminé. Oh, pardon. Trois défenseurs, quatre attaquants. Il y a moyen de mettre ce point en attaque. Beben qui ouvre ses trappes. Focus toujours avec son jacal. Il en décroche pas, il en est amoureux, je crois. On essaie de sauver le drone pour Cucus. On donne les infos au mate. Et sa drone. Hein. Oh, la smoke. La smoke, le C4. Le C4 qui a bien failli lui péter à la gueule. Gabs éliminé par Ruyeken. Attention à la smoke, c'est dangereux pour la santé ce truc-là. Faut arrêter de fumer, là. Wayou qui est déjà au coffre. Qui va peut-être pouvoir prendre la décale. Il est au fusil à pompe, le cœur qui élimine Cucus. Kedos qui se rapproche dangereusement de sa mort. Ah, il l'a vu. Ah, je sais pas ce qu'il a foutu à vouloir le faire au fusil à pompe, malheureusement il s'est fait calmer. Ruyeken qui élimine Kedos pour le revenge kill. Et Beben qui élimine le cœur sous nos yeux ébahis. Égalisation de la MVW. Allez, maintenant les gars, va falloir se battre très dur. On voit que le démentiel est clairement de retour sur banque. Okay. Petit bug, on va devoir rehost. Et on reprendra donc à 1-1 de chaque côté.
Il n'y a plus qu'à attendre que tout le monde revienne. Pour relancer ce match. Allez, on y retourne, Michel. Let's go. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Hey, let's go. Un point partout. Tout à gagner, rien à perdre. Un tournoi juste pour le fun. Place device. Jammer ready. New camera feed up and running. Activating camera. Attackers have recovered their defuses. Hey, let's go switch sur les attaquants. Et là, voyez où c'est calmé. On peut voir qu'il ne tente pas de spawn trap. Par contre, attention, il attend à l'étage. Yo, le voyou. Bah, c'est le dernier, c'est pas marrant. Ouh, bonjour. Dreamsky va peut-être faire la chasse au Wayou. Alors ça, le principe de ce genre de roaming aussi, ça peut être de tout simplement faire perdre un maximum de temps aux adversaires pour qu'ils arrivent en retard sur le site de plante. Cucus éliminé, raccord. Cucus, deuxième élimination, il est on fire. Il est où le Cucus? Alors, je le trouve plus. Cucus bien placé, là, sur son roaming. Il va peut-être pouvoir rejoindre son mate. One shooter qui est déjà en difficulté. Qui est très low life. Le cœur éliminé, Dreams qui élimine one shooter qui était low life. Attention. Road to Ace pour notre ami Cucus. Ouais, qui tempo un petit peu mal, là, sur ce coup-là. C'est déjà rentré. Dreams en PLS. Bientôt l'élimination, certainement. À l'extérieur. Wayou bien placé, là. Très, très bien placé. Un Wayou qui joue avec les nerfs de son adversaire. Il va attendre qu'il entre. Voilà, tire dans la tête. Allez, le last, attention pour l'ace. L'ace de Wayou. Allez, Wayou, je veux pas te porter malheur, mais il faut que tu fasses ton ace. Y'a Cucus qui arrive en arrière, là. Et est-ce que je raconte pas des conneries par hasard? Non, c'est Cucus. Il y aura pas d'ace. Je pensais que c'était Wayou, mais non, c'est Cucus qui a fait 3 kills. Mais là, il est pris en sandwich Dreams. Il ne le sait pas encore. Mais y'a Cucus de l'autre côté. Le petit Dudu se tire directement
dans la tête. De Dreams, ça n'a pas compté comme une tête, mais j'ai l'impression qu'il l'a touché dans la tête. Ah, il l'a touché dans le bras, en effet. Dreams qui vient de déco. On est à 2-1 en faveur de la MW. On est parti pour un Riost. Encore un, me direz-vous. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Eh, ce n'est que le deuxième Riost, n'est-ce pas? Non, mais j'ai personne d'autre à inviter là. Non, problème pour join. Le mode absent, mais je suis pas en absent moi. Attends, mais c'est quoi ce délire là? Je suis pas en mode absent moi là. Je suis en ligne. Depuis... Il n'y a pas de problème hein, depuis tout à l'heure. Hein. Ça va faire une bonne heure que. Voire même plus que je me suis mis en AFK. Alors. Alors, on va réinviter. J'ai plus de son. Super. Je relance tout maintenant. Putain de jeu. Ah, plus de son. Le jeu est sur SSD et met 3 ans à se lancer. C'est bien ça aussi, non? Ça, c'est bien ça. C'est... J'aime bien ça. Oui, j'adore ça. J'adore. Allez. Pourquoi il me duplique à chaque fois le Ligue Argent?
Allez, go. Voilà, c'est à cause de ces saloperies de notifications Steam que j'ai retiré à la base, que je me suis mis en ligne. C'est bien Steam, c'est une bonne plateforme, mais voilà, mais je m'en fiche de savoir pendant que je caste qu'un tel joue à truc muche, quoi. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Mais merde, pourquoi je switch? On va se mettre sur Gabs. Allez Gabs, vends-nous du rêve. Montre-moi tes placements. Camera feed. Regardez ça. Gab s'est bien placé là pour tenter un spawn, mais je ne pense pas que les MVW vont passer par là. On va plus tenter un passage ruelle. Regardez ça. Regardez où est Dreams. Vous avez vu où est Dreams? Il est juste en dessous de la fenêtre. Raccord qui décale là, qui prend des dégâts, de très lourds dégâts et raccord. Très dangereux d'essayer de chasser le MVW comme ça au clair de lune. Mieux vaut attendre la nuit. La nuit noire est complète. Ryaken, lui, est en train de droner le couloir des bureaux. One shooter qui éliminait raccord et raccord qui était déjà assez low life. Alors, il y a quelqu'un qui a fait pas mal de belles actions aussi ce soir. Je rappelle qu'il y a deux pour la MVW et un pour la démentielle. La démentielle qui vient de perdre un nouveau membre grâce à un kill de one shooter. Dreams toujours au même endroit en embuscade. One shooter qui regarde pas à gauche, il ne regarde pas derrière lui. Eh oui! Je l'avais dit, Cucus fait une élimination sur Gaps, mais Dreams, lui, double élim. One shooter et Ruyaken. Cucus qui élimine Kedos. Il ne reste plus que Dreams pour le clutch 1v3. Attention, ça pose. Maintenant, il va falloir descendre. Belle élimination sur Beben, directement dans la tête. Le réveil de Dreams, le retour. Il va essayer de contourner. Malheureusement, les trappes ne sont pas détruites, je crois, de ce côté-là. Ça va compliquer la descente pour lui. Et ça va jouer autant encore une fois. Les trappes ne sont pas faites, il va être obligé de descendre et de s'exposer et de faire maximum de bruit. Pour pouvoir essayer, je dis bien essayer, de casser le diffuse. Et non, Cucus. Cucus bien placé pour la défense de ce diffuse. Troisième point pour la MVW. Là, on peut dire... On peut dire que l'épée de Damoclès est au-dessus de la tête de la démentielle. Si la locomotive MVW s'est remise en route là pendant le temps du Riost, ça va compliquer les choses pour eux.
Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Hey, let's go. Est-ce que tu juste vas tenter du sale? Pète les fenêtres pour faire buter l'adversaire un peu. On tente le tout pour le tout, hein, quand même. Côté démentiel, on entre par l'entrée principale avec une cover sur les vitres et probablement la verrière aussi. Monsieur Cucus qui avait prévu un petit piège mais qui n'a pas fonctionné. Voyou en fight avec un raccord, attention à la grenade. Voyou. One shooter pour la cover de son mate. Très bien vu ça. Cucus qui fait une élimination sur le cœur. Décidément le cœur manque de chance. La PLS, l'élimination. Des raccords et Voyou qui se fait calmer. Arkedos. A bomb has been located. Jusqu'il a pris des gros dégâts. Gapski, Gazer sur son mate. Ruyeken, attention, très bien placé. Kukus éliminé par Dreams. Dreams éliminé par One Shooter. On n'a pas le temps de switch, c'est horrible. 1v2 pour Gabs. Faut qu'il relève son mate là, il a pas le choix. Il a une minute, il a plus d'une minute devant lui, donc il faut relever son mate. Et on va récupérer One Shooter juste avant qu'il meure. J'ai peur que ce soit un peu tard quand même. Et on va le kickam détecter et casser. Ouh, les petites balles dans le pied. Gabs qui ferait mieux de pas s'allonger là. Et un tempo smoke. Élimination à la smoke vraisemblablement. Cette fois ça va être au tour de Kedos de relever Gabs. Et là on va l'empêcher d'aller le chercher. En faisant des petits wall shoot. 15 seconds to go. Oh, Ruyeken! Ruyeken! Encore une fois, mes amis, vous pouvez le répéter, c'est un mantra. Ruyeken! Ruyeken! Ruyeken, encore une fois! Balle de match MVW. C'est la balle de match. C'est la fin. C'est la fin si la MVW met ce dernier point. Vu comme c'est parti, ce sera la balle de match. La démentielle doit se reprendre vraiment très vite. Et marquer d'autres points. Tenter de remonter au score. Tenter pourquoi pas de win cette map. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Ah, ça fait une banditos un peu en défense là. On va ralentir l'adversaire en mettant un maximum de barbelés. Attention, on l'a vu, la MVW n'utilise pas des tactiques classiques tout le temps. Il risque bien de faire les trappes. Swapping mag. 5 seconds remaining.
Attackers have recovered their diffuser. Attackers must locate and defuse. Oh, regardez ça, Dreams. Dreams qui tente le spawn kill. Il va aller de l'autre côté. Il va tenter de l'autre côté, mais il risque bien de se faire calmer vu qu'il a été spotted. Qui s'est un peu fait là sur sa smoke, je pense. Et pour l'instant, on est sur une phase de drone. Importante. Et raccord à l'entrée principale. Attention parce que ça c'est dangereux pour le bac. On peut se faire rec très facilement là. Eh oui, Wayou avec son fusil à pompe. Et raccord qui vient d'éliminer One Shooter. Ryuken qui élimine Kelos. Joli tir de Wayou directement dans la tête des raccords. Et il assemble du monde là. Clear. Dreams toujours carré. Petite diversion hein, pour éloigner l'adversaire du bruit principal. Dreams toujours carré, je l'avais dit. Et on va bridge. Attention, Wayou, Wayou, Wayou. Qui dégage Wayou éliminé par Dreams. Directement dans la tête. Et oui, il n'était pas tout seul, Dreams. Surveille la porte, mais surveille pas du bon côté, Dreams, pour l'instant. Mais il a un bon shoot. Il a des bons réflexes. Il pourrait bien remporter ce duel. Et non, il a pas remporté son duel, Dreams. Son duel contre Beben, il vient de le perdre. Attention, le cœur qui manque de chance ce soir, malgré un pseudo plein de trèfle, plein de chance. Voilà. Ils savent maintenant à peu près où ils se trouvent. C'est de là que va venir le danger. Il est tout blanc le cœur, il ne voit plus rien. Il est complètement flash. Ah, il faut poser. Le cœur, lui, n'a pas d'idée de là où c'est posé. Allez, c'est parti. Le cœur pour le clutch 1v2. Diffuseur posé. Et non, il n'y aura pas de clutch! Il n'y aura pas de clutch! Ah, il était parfaitement visible, le cœur! Magnifique! Magnifique victoire de la part des MVW ce soir. Une domination complète de toutes les games auxquelles ils ont participé. C'est complètement hallucinant. Mais alors, vraiment, complètement hallucinant.